quoi ça, Isabelle? Ça, c'est des œufs bénédictines. Bénédictines? Oui, c'est fait avec une sauce hollandaise. Goûte, c'est super bon. J'en doute pas, là, mais tu sais, t'es pas obligé de faire quelque chose de spécial à chaque repas. Louis, j'ai des années de retard à rattraper, hein? Puis, avoue que je suis pas mal meilleure qu'avant, hein? Ah oui, oui, oui. Mais des toasts au beurre de pinot, là, c'est bon aussi des fois. On n'est pas obligé de manger à l'épinard à chaque jour. Je suis convaincu que lui aussi, il mange des toasts des fois. Ces cours de cuisine-là, Louis, c'est le plus beau cadeau que tu m'aies jamais fait. Alors, je veux que tu en profites. J'en profite, Isabelle. Déjà, de te voir de bonne humeur quand tu fais la cuisine, là, c'est bien en masse. Ah, qu'est-ce que tu veux? La cuisine, c'est pas juste la cuisine, hein, c'est une philosophie. C'est comme de faire l'amour. À partir du moment où tu te laisses aller et que tu savoures chaque petit plaisir, le tour est joué. Petit plaisir? Pourquoi tu dis petit? Mange tes œufs. Pourquoi tu veux que je mange mes œufs? Ah, Louis, fais-toi donc des toasts. Ah, non, 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 Isabelle. Je vais les manger, tes œufs. Manger ça, hein? Vas-y. Ouais. Ça fait combien de temps que t'attends, là? 8 minutes. Penses-tu que ça dérangerait bien gros les voisins si j'allais dehors? On pourrait peut-être juste dire de se dépêcher. Alors, j'ai essayé hier matin, là, ça n'a rien donné. Veux-tu bien me dire ce qu'il fout là-dedans? Ah, oh, il cogite. Trouve l'inspiration. Pourquoi tu lui as proposé de rester ici? C'est toi qui l'as invité en premier. Je l'ai invité pour un soir. Ah, je sais, je le sais. Mais je me suis sentie tellement cheap de me fâcher pour ça, j'ai voulu réparer. C'est vrai que c'est facile d'avoir des bonnes intentions, c'est plus difficile de les mettre en application. On a un ami dans le trouble, on pourrait bien se forcer un peu. Ouais, mais ce qui m'inquiète, là, c'est qu'il a l'air d'être parti pour être dans le trouble un grand bout de temps. Ben, il est quand même mieux que la semaine dernière. Une semaine à 3 repas par jour, là, ça retape son homme. Mais ça paraît sur le budget aussi. As-tu calculé ce que ça nous a coûté en épicerie cette semaine? OK, on lui donne une journée ou deux, puis après on lui explique gentiment qu'il est temps qu'il parte. Ah, il y a un appartement après tout. OK, mais pas plus que 2 jours, hein. Je l'aime bien, là, mais là, en ce moment, il envahit un peu trop ma bulle. Ah! Je viens de prendre une grande décision. Je vais m'autodétruire. Je vais livrer mon âme à la bande d'humanoïdes qui gaspillent l'oxygène terrestre et qui abhorrent le génie. Les zombies de la culture qui hantent les rues de Montréal. Je vais faire une lecture publique de mes poèmes. Est-ce que vous travaillez ici, vous, aujourd'hui? Oui, cet après-midi, en tout cas. Moi, ce matin. Oh, il faudrait pas. Je vais avoir besoin de toute ma concentration. Je veux vomir les derniers chefs-d'œuvre de ma vie. Si vous pouviez me laisser seul. Tu veux qu'on te fasse le déjeuner, Alexandre? Non, 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 non. Je m'installe tout de suite et j'écris. Vous pouvez déjeuner si vous voulez, mais en faisant le moins de bruit possible. Il n'y a rien de pire que les bruits de mastication et de digestion pour nous rappeler que nous sommes des organismes assujettis à des besoins métaboliques primaires. Cascap est crotté. Non, il est pas crotté. Mais il est plein de marques de doigts, là. C'est normal quand on l'utilise, hein? Mais les lentilles, elles sont propres et c'est ça qui compte. J'ai pas le temps de faire le ménage mur à mur. Le stagiaire arrive ce matin. Je veux que la clinique soit parfaite. N'oublie pas, après ça, il s'en va chez Raymond, hein? Je veux que notre clinique soit plus propre que la sienne. Mais elle est plus propre que la sienne. Comment tu sais ça? Toi, tu y as été? Pas besoin. Je sais, c'est tout. En tout cas, je suis sûr que son microscope est pas plein de marques de doigts comme ça, là. Tu le nettoies et ça finit là. Marjolaine a raison. L'arrivée du nouveau stagiaire n'est pas une raison pour virer fou. On devrait peut-être l'attendre même. Il pourrait nous aider pour faire le ménage. Mais il vient ici pour apprendre son métier de vétérinaire, pas pour nous aider à torcher. Puis qu'est-ce qu'on est, nous autres? On est moins important que lui. Toi, t'es vétérinaire, tu connais ton métier. Tu pourrais peut-être prendre un peu de temps pour que la clinique fasse bonne impression. Mais moi, je trouve que je prends beaucoup de mon temps pour que vous fassiez bonne impression. Oh, tu te plains tout le temps. Donc, pendant que tu places les médicaments, là, regardons s'il n'y en a pas qui sont proches de l'expiration. Il est à veille de me faire expirer, lui. Moi aussi. Ben, je t'en ai, là. Ben, assez le ménage. On va commencer les chirurgies, puis au yable, le nouveau stagiaire. Va me chercher le chien Martel, s'il te plaît. Avec plaisir. Salut. Ah, salut. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Des brownies.
Ben, en fait, ça devait être un gâteau au chocolat, mais il a pas levé puis il a mal cuit. Mais je te dis, c'est très bon. Écoute. Je vois que tes cours privés de cuisine sont pas tout à fait un succès. Ah, je me suis améliorée à 100%. C'est le fourneau qui fonctionne mal. Mais je te dis, c'est très bon. Goûte, goûte. Ah, tantôt, peut-être. Non, j'essaie de maigrir. C'est comme il faut que je me trouve un nouveau chum, je suis mieux de mettre toutes les gens de mon bord. Ton photographe? Il sert de temps en temps, mais c'est tout, hein. Ça m'empêche pas de regarder ce qui se passe autour. Comme ça, t'as décidé de te remettre à la chasse, sérieusement. Ben, pas vraiment, tu sais. La blessure est pas encore cicatrisée, mais... Ça s'en vient. Alors, hey, j'ai un nouveau statut social maintenant. Oui, divorcée. Je te le dis, je sais plus comment me présenter. Jasmine Simard, future vieille et jeune divorcée, ou Jasmine Simard, actuelle jeune qui ne veut pas devenir une vieille divorcée à carrière. Fais comme d'habitude, présente-toi pas puis saute dessus. As-tu eu des nouvelles de Ricardo? Ouais. On s'est parlé hier, justement, là. Conversation très brève, très froide. Ça va, oui, ça va, moi aussi. Nos affaires avancent, vous recevoir les papiers bientôt. Ciao! Très efficace, la magistrature italienne, hein? Puis, tu t'es-tu remis à dessiner? Parle pas de ça, il n'y a rien qui sort. Mais non, je sais, mais il n'y a rien de beau qui sort de ma tête présentement. Ah. J'attends. C'est pas grave. Pendant ce temps-là, tu mets toute ton énergie sur la balayeuse, puis la boutique est super propre. Oh, ben, je t'avertis, hein, j'ai pas l'intention de me transformer en femme de ménage de façon permanente. Non, faut que je trouve quelque chose pour réveiller mon inspiration. Oh! Un petit voyage en Italie. Oh, baveuse! Non! Je l'ai dit! Je veux maigrir. Fait que je pense plutôt pour le Mexique, tu sais. Ah oui. Une belle grosse tourista, un amant mexicain. Fait des merveilles. T'as toujours eu des idées très originales pour te mettre au régime. Je suis originale. Puis, est-ce qu'il a appelé? Vous savez bien que je vous l'aurais dit s'il avait appelé. Non, il n'a pas appelé. Commence bien son stage. En retard la première journée. Il n'est pas en retard, il est juste 9h30. Puis? C'est ta première journée qui est la plus importante. T'as pas une deuxième chance de faire une première impression. Surtout qu'il y a juste 2 semaines pour nous montrer ce qu'il vaut. Lui avez-vous parlé? Non, c'est Étienne qui s'occupe de ça. Puis comme je n'ai pas tellement envie de le voir, ben j'ai pas trop demandé de détails. Bonjour! Puis, il est comment? Absent. Il est pas encore là. Ça devrait pas tarder. Comment il était au téléphone? J'ai pas parlé, j'ai tout arrangé avec son directeur de stage. Tu l'as pas appelé, toi? Ben non, tu m'as dit que tu t'occupais de tout! Oh, toi, petit amanchure de sans dessin! Je savais que je pouvais pas y faire confiance! Et quand est-ce que je vais apprendre? Là, on n'est même pas sûr d'avoir quelqu'un. Voulez-vous que j'appelle la faculté? Non, lui, il va appeler. Prends le téléphone, et puis il va appeler tout de suite! OK, OK, calme-toi, je vais téléphoner. C'est pas si grave que ça, là. Ménage tes ulcères, hein? Hey, qu'est-ce qui se passe, là? On vous entend crier jusque dans la salle de traitement. Il se passe qu'à cause de ce pas d'allure-là, on risque de pas avoir de stagiaire. J'ai fait le ménage pour rien? On ne fait jamais le ménage pour rien. Tu vas voir quand tu vas avoir fini son téléphone, je vais te montrer comment ce qu'on fait pour décrasser ça, une salle d'attente. Oui, bonjour. Oui, le docteur Étienne Raymond à l'appareil. Bonjour. Je voudrais tout simplement vérifier que c'est bien aujourd'hui que le stagiaire Claude Labelle commence son stage à la clinique du four. Oui, c'est aujourd'hui. Bonjour. Je suis Claude Labelle, votre stagiaire. Je m'excuse pour mon retard. J'ai eu des petits problèmes d'auto en m'en venant. Rien de grave, mais c'est juste plate. Est-ce que c'est bien la clinique vétérinaire du four ici? C'est bien aujourd'hui que je commence mon stage? Oui, excusez-nous, là. C'est parce que je pense qu'on s'attendait pas à ce que vous soyez une fille. Ça m'arrive souvent. Ma mère voulait un gars, mais elle a eu une fille. Elle m'a quand même donné le nom qu'elle avait choisi. J'aime ça, Claude, moi. Oui, c'est beau. C'est un beau nom. Très beau nom. Docteur Raymond? Docteur Raymond, vous pouvez raccrocher le téléphone. Ah, oui. Je dois rencontrer le docteur Pascal Constantin. Est-ce qu'il est ici? Oui, il est ici. Il est devant vous. Et moi, c'est le docteur Étienne Raymond. Hein? C'est dans ma clinique juste en face que vous allez continuer votre stage dans 2 semaines. À moins, bien sûr, que vous préfériez le faire à un seul endroit. À ce moment-là, je peux vous prendre tout de suite, moi.
Non, c'est correct, Étienne, tu peux t'en aller, on n'a plus besoin de toi, là, salut, bye-bye. Bon, ben, au revoir, mademoiselle Labelle, hein, à bientôt. Ben, et si Pascal n'est pas capable de répondre à vos questions, ben, n'hésitez pas, je suis juste en face. Ben, c'est ça, retourne à tes affaires, il doit avoir besoin de toi l'autre bord, hein, bye-bye. Excusez-moi, mademoiselle Labelle, c'est le docteur Étienne Raymond qui vient des fois pour faire vérifier certains traitements. Bon, c'est pas important. Hein, je vais vous faire visiter la clinique. Je vais vous présenter une partie de notre équipe. Hein? Alors, vous avez ici le docteur Louis Martineau, vétérinaire. Bonjour, bienvenue dans notre équipe. Bonjour. C'est très bon plaisir. Et ici, vous avez Julius. Mon petit chien. Vous avez aussi Pamela Lalonde, réceptionniste. Bonjour. Et Marjolaine Tremblay, technicienne. Bienvenue. On a aussi Jean-René, qui est animalier, et le docteur Pelletier, qui a une spécialité en chirurgie des petits animaux. Et puis, oui, c'est ça. Ben, je pense que vous allez apprendre beaucoup avec nous. Hein? Vous allez passer un bon petit bout de temps hein, ici. Et on est très contents de ça. Vous revenez de Saint-Hyacinthe? Oui. Ah, vous devez être fatigué, hein? Voulez-vous un petit café? Oh, peut-être que... Pamela, aurais-tu un café? Oui, gâteau, c'est Louis qui a apporté les gâteaux. Ah, ben c'est parfait, ça, mon Louis. Formidable. Ben, on va commencer la visite de la clinique par la cuisine, alors. Hein? OK. Par ici. Juste là-bas, là. Il l'a même pas engueulé parce qu'elle était en retard. Ouais. Pam, je pense qu'on s'est encore fait avoir. C'était supposé d'être un gars, là, ce stagiaire-là. Ah oui, moi, je l'imaginais beau, bien fait, les yeux bleus. Arrêtez donc de vous plaindre. Moi, je le trouve pas mal mieux que je l'imaginais, le nouveau stagiaire. C'est pas juste. Chance que Jean-René n'est pas là pour voir ça. Ah, mais il recommence à travailler la semaine prochaine. À moins qu'on prenne nos vacances, hein? Comme vous avez une stagiaire, non? C'est la jalousie que c'est donc laid. Vous me décevez, les filles? Bon, ben moi, avant de continuer les chirurgies, je vais prendre un bon petit café, hein? Tellement bon, ton café, Pam. Renaud, je t'ai déjà dit que je voulais pas que tu fumes dans l'appartement. J'avais oublié. Toi, t'as la mémoire drôlement sélective. C'est parce que je suis en pleine période de création. Sinon, je n'oublie rien de ce que tu me dis. Tout ce qui tombe de ta bouche est pour moi une perle précieuse que j'ajoute au collier que forment toutes les paroles que tu m'as dites. Collier qui m'enchaîne et qui fait de moi ton esclave. Est-ce que Gordon a appelé? Qui est ce Gordon? Gordon, celui qui te libère de ton esclavage. Oh, Renaud, éteins ta cigarette ou va fumer dehors. T'as raison. La cigarette engourdit l'essence. Son odeur m'empêchait de saisir les chaudes effluves de femelles que tu dégages. Tu sens bon la fille saine. Je pensais que tu avais une préférence pour les filles malsaines. Pas au niveau de l'odeur. Ah. Non, toi, tu sens bon la vanille ou l'anis. Oui, plutôt l'anis. J'ai envie de te croquer comme un bonbon. Non, mieux que ça, te laisser fondre doucement en prenant bien le temps de te déguster. Tu recommences à être en forme, toi. Oui, je me retrouve et c'est grâce à toi. J'étais complètement perdu, incapable d'écrire la moindre ligne. Tu m'as ressuscité, Maryse. Je te dois la vie. N'exagère pas. Non, c'est vrai. Je ne pouvais plus créer. J'étais englué dans des considérations bassement matérielles, à savoir comment me procurer de quoi manger. C'était affreux. Comment ça se fait que tes colocs t'ont laissé dans la rue? À vrai dire, je n'ai pas pu faire ma part à l'appartement depuis très longtemps. Je comptais tellement sur cette bourse. Carl en a eu assez de me financer. Mais tu veux dire que t'as plus d'appartement? Et finalement, le cœur de la clinique! La salle de traitement, c'est beau, hein? C'est ici qu'on fait les traitements, évidemment. Les examens pour les animaux hospitalisés, les tests, les prélèvements d'échantillons, les examens plus poussés, la préparation des animaux pour les chirurgies, les lectures de radio et tutti quanti. Elle devrait commencer à travailler tout de suite. Comme ça, elle se familiariserait beaucoup plus rapidement au fonctionnement de la clinique. Ben oui, c'est vrai, ça. Veux-tu venir faire la prochaine chirurgie avec moi? C'est une arthroplastie, un choc s'est fait frapper. Non, mais tu la gardes pas pour le docteur Pelletier demain, toi? Et voyons donc, Dr. Constantin, c'est pas parce que moi, je travaille ici, que j'ai perdu le goût de faire de l'orthopédie. Quand c'est trop compliqué, j'y laisse. Mais ça, franchement... J'aimerais ça. Si c'est correct avec vous. Ben, c'est parce que je pensais que tu venais avec moi pour je vais te laisser ici, la tête du fémur, ça se présente bien. Oh, wow! Merci, Dr. Martineau. Ah, appelle-moi Louis, là. Viens dans le bureau, on va reviser l'approche. Comme ça, tu vas pouvoir suivre étape après étape
Mais notre bureau, il dit que c'était petit. Il est pas gêné, lui. Selon le plan de stage que j'avais fait, il était supposé de passer la journée avec moi. Je pense qu'il va falloir que vous oubliez votre plan de stage. Pour déterminer qui va passer la journée avec elle, il va falloir que vous tiriez à pile ou face. Ben non, on tire pas les gens à pile ou face. Ben, tirer au poignet d'abord. Ben oui, tu... Mais tire... Ah, ben c'est vrai que Martineau doit pas être fort fort. Mais c'est pas sérieux, là, je niaisais. Ben oui, mais moi aussi, je niaisais. Non, mais s'il veut s'en occuper pendant deux semaines, hein, tant mieux pour lui. C'est pas moi qui va se plaindre. Mon horaire est suffisamment chargé sans que je perde mon temps à éduquer une personne qui arrive ici sans... Docteur Constantin, Louis est au téléphone, puis il y a une chose que je comprends pas dans l'approche chirurgicale. Ah oui? Est-ce que vous avez le temps que je vous pose quelques questions? Ah ben écoute, j'ai tout le temps que tu veux, là. Prends tout le temps que tu veux. Je veux que tu profites de ton stage au maximum, alors pose-moi toutes les questions que tu veux. Et puis, ben, appelle-moi donc Pascal, là, ça va être plus simple. Pensez-vous qu'il est essentiel de rétracter le muscle adducteur latéral pour avoir une meilleure position de la tête? Renaud, tu viens ouvrir la porte, s'il te plaît? Allô? Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci. Wow, tu sens bonne. Merci, c'est la vie générale ce matin. Ah oui? Antoine trouve que tu sens bonne aussi? J'espère, mais c'est pas lui qui me l'a dit, c'est Renaud. Ah, il est encore ici. Oui, d'ailleurs, je sais pas ce qui est passé, il était ici tantôt. Et tu te promènes comme ça dans l'appartement? Mais quoi, c'est ma vieille robe de chambre, elle est toute lite. Oh, la robe de chambre, on s'en fiche. You're naked underneath. That's what's interesting. T'es jaloux? Yeah, a bit jealous. And very, very interested. Hmm. Désolé de troubler un moment aussi agréable. J'ai laissé une feuille ici dont j'ai absolument besoin. La voilà. Oui. Milord. J'en ai mes pieds. Right. Madame Thompson, qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh, vous avez décidé de changer de look. Vous voulez acheter un nouveau modèle. Mon look me convient très bien, merci. Mais tes modèles me manquent, Isabelle. Dites-moi pas que vous venez à nouveau nous offrir une place chez vôtre. Oh, vous savez que c'est impossible. On est maintenant avec Montréal Mode, puis eux aussi tiennent à l'exclusivité. Je le sais très bien, je n'ai pas changé d'idée. Je n'ai pas de place pour votre collection chez vôtre. Mais j'ai une place pour toi. C'est quoi cette histoire-là? J'ai pas besoin d'une place chez vôtre. Je suis très bien ici. Je ne peux pas le croire. Tu es à la merci des sauts d'humeur de Jasmine. Votre dernière collection a déçu et c'est en grande partie à cause d'elle. Tout ce que vous faites de valable dernièrement vient de toi. Ne me dis pas le contraire, je reconnais ton style. Bon, où est-ce que vous voulez en venir? Tu gaspilles ton temps, ton talent et ton énergie ici à produire des vêtements magnifiques qu'une autre signe. Viens te joindre à notre équipe de création. Viens dessiner les vêtements de notre griffe maison. Nous avons besoin de toi. Tu es douée et tu as un flair incroyable pour savoir ce qui va plaire. Vous voulez que je dessine pour Vogue? Et c'est quoi l'avantage? Je serai encore plus anonyme qu'ici. Il n'y a personne qui sait qui les dessine, vos collections maison. Au départ, l'avantage serait uniquement monétaire, mais après quelques années, tu pourrais avoir ta propre ligne. Isabelle Dupré pour Vogue. Ce serait un tremplin incroyable pour toi. Écoutez, Madame Thompson, je veux pas vous offenser, là, mais je sais très bien pourquoi vous m'offrez ça, hein, pour nuire à la boutique. Pensez pas que je vois pas clair dans votre jeu. C'est pas très subtil comme ma d'œuvre. Je te fais cette offre pour deux raisons. Primo, tu as le talent qu'il faut pour mériter amplement ce genre d'offre. Et deuxio, tu es la fille de Solange. Simon, Olivier et Jasmine ne te méritent pas. Il est temps que tu penses à toi et que tu arrêtes de faire profiter les autres de ton talent. C'est hors de question. Il n'y a pas juste la boutique qui est en jeu, il y a mon atelier de confection aussi. J'ai investi là-dedans, je crois à ça, puis je vois pas pourquoi... Rien ne t'empêche de le garder. Pense-y sérieusement avant de refuser.
Nous sommes prêts à t'offrir 60 000 $ ainsi que 2 voyages de ressourcement par année. Tu pourras aller aux collections en Europe ou à New York, ce que tu veux. C'est complètement fou. Non, c'est complètement sérieux. Typical box lesions develop either. Typical, typical. Ah, Claude. Surprise, c'est pas Claude. Qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? Je suis venu voir comment aller. Ça va dans 2 semaines. C'est un méchant pétard, hein? J'ai pas remarqué. Ah non? Pourtant, t'as encore de la salive ici, non? Quoi? Oh, niaiseux. Puis, c'est une bonne idée, oui ou non? Ça voulait fort, non? Je sais pas encore, parce que vois-tu, c'est encore Martineau qui est avec. Ouais. Moi, j'ai pas eu la chance de... J'ai pas vraiment eu l'occasion de vérifier son savoir-faire. Oui. Peut-être en matière vétérinaire. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et je... Tu me mélanges tout, là. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te l'emprunter pour la journée. Pas question. Être ici depuis 2 heures, puis tu veux me la voler? Oh non, monsieur, tu vas attendre ton tour. Mais Pascal, c'est urgent, là. C'est parce que j'ai un de mes vets qui est parti faire un remplacement à notre clinique de Montréal-Nord. Il va être là pour la semaine, il va avoir besoin d'aide. Puis comme Claude est ici, et que c'est moi qui ai l'idée d'engager un stagiaire, ben je me suis dit que tu me devais bien ça. Moi, je te dois rien pas tout. On a tiré au sort, puis c'est moi qui ai gagné. Je pensais que tu considérais avoir perdu. Bon, tu m'excuseras, là. J'ai des consultations à faire. Ben, juste pour aujourd'hui, d'abord. Hein? Non! Tu vas l'avoir dans 2 semaines, puis ça s'arrête là. Je ne laisserai pas ma stagiaire une journée sans moi. Elle est ici et elle reste ici. Elle va apprendre la médecine vétérinaire comme il faut. Puis je la laisserai pas. Je la laisserai pas se faire pourrir par toi avant qu'elle ait terminé ici. Ah, c'est pour ça que tu revises, hein? T'as peur que ta médecine vétérinaire soit trop dépassée. Tu te sens dépassé, moi. Mais là, j'ai rien à réviser du tout. Je faisais le ménage de la bibliothèque. Bon, puis là, tu me déranges. Tu serais mieux de retourner chez vous puis réviser tes notes de cours parce que tu vas en avoir besoin, mon vieux. Quand elle va sortir d'ici, elle va être pas mal meilleure que toi. Jamais. Je m'en vais, là, hein? Mais tu peux être sûr que c'est la dernière fois que je te rends service, toi. Tu trouves pas ça un peu, comment tu dis, niaiseux, de venir travailler ici alors que tu as un ordinateur chez toi? Mais oui, je le sais, Gordon. J'espère qu'il va partir bientôt. Moi aussi, mais ça garde mal, il n'y a plus d'appartement, c'est cool là que l'on met à porte. Figures. Il peut pas quand même s'installer chez vous pour de bon. Ton appart est trop petit. Et... Je le sais, Gordon. Puis de toute façon, on n'a plus les moyens de le nourrir. Il faudra qu'il trouve autre chose, mais il n'a pas l'air de chercher fort. I don't like him. Il te regarde toujours avec des yeux de pervers. Il regarde tout le monde comme ça. C'est un pervers. Glad to know that. Tu l'as assez aidé. Qu'il se débrouille tout seul. Dis-lui bonne chance. Bye-bye. Je vais m'arranger. Tu n'es pas la Salvation Army, Maurice. C'est très bien d'aider les autres, mais je trouve qu'il exagère. Il te met à la porte de chez toi. C'est trop. Ou viens donc rester chez moi. Je vais me sentir mieux. Gordon, c'était mon idée d'héberger Renaud, OK? Fait que je vais régler ça toute seule. D'accord. Mais je te dis, si il te touche, pourquoi tu souris? Parce que je savais pas que tu étais jaloux à ce point-là. Ça me fait comme un petit velours. D'ailleurs, le serveur, il a pas arrêté de me regarder tantôt. Je pense qu'il me trouve pas mal de son goût. Essaye pas, Maurice. Je viens de le voir embrasser son chum. Ah! Oh, Isabelle! Isabelle! Regarde! Regarde, j'ai trouvé. J'ai trouvé, regarde! Ça va être un hit, je le sens. Ça, je veux ça dans une couleur pour foncer. Non, bleu acier. Je l'ai montré à Lina, hein? Elle n'a presque pleuré de plaisir. Tu sais, elle veut le faire. Qu'est-ce que t'en penses, Isabelle, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, j'ai rien dessiné de valable depuis des mois, mais ça... Ah! Je crée. Je suis redevenue une créatrice. En tout cas, je dessine à nouveau. Vite, donne-moi une feuille, un crayon, quelqu'un, vite! Isabelle, voyons, tu dis rien, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais tu me laisses pas le temps! T'aimes pas ça? C'est magnifique! Je le sais. C'est beau, c'est sobre, c'est ça! Ah, oh, c'est tellement beau! Je suis contente pour toi, Jasmine. Contente. Oh, puis moi, ça. Je te dis, on est reparti, ma chérie. Hein? J'ai été morte trop longtemps, là. Le Jasmine nouveau est arrivé. J'en veux une caisse. Hey, il me reste juste à me trouver quelqu'un qui va m'aimer bien chambré, là. Puis mon bonheur va être parfait.
C'est comme si on venait de m'enlever la tonne de roche qui m'empêchait de respirer depuis des mois. Oh, t'en rends-tu compte, Isabelle? Je suis encore capable de dessiner. J'existe à nouveau. Oh, Dieu! Ben voyons. Jasmine, ça va? Ça va? Oh, oui, 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 ça va, ça va. C'est juste que c'est trop en même temps. Je le dis, c'est meilleur qu'un orgasme. Je fais de l'hyperventilation de bonheur. Oh, l'air goûte bon, c'est trop bon, j'en veux encore, j'en veux plein! Isabelle, trouves-tu, hein? L'air goûte meilleur! T'es folle! Oui! Et c'est bon, je te dis, j'adore ça, être folle. Oui, j'ai rencontré une autre folle tantôt, mais une vraie. Ah ouais? Ma mère est venue? Non, Gladys. Ah ouais? Mais tant pis pour elle. Je t'ai dit qu'elle va regretter de nous avoir flushé de son magasin. Elle va venir ramper à genoux pour avoir le privilège de vendre nos modèles. Oui. Elle veut m'engager comme dessinatrice. Elle veut quoi? Elle est pas bien, elle. J'espère que tu l'as envoyée promener. 60 000 de voyages par année, puis la possibilité d'avoir mon nom sur mes modèles d'ici un an ou deux. Non, je l'ai pas envoyée promener. Mais c'est... Pourquoi tu me dis ça, là? Pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? T'es pas bien ici, tu veux partir? Pourquoi tu me dis ça, là? J'ai pas le droit, moi, d'être heureuse plus que trois minutes dans ma vie. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de beau, faut toujours que quelqu'un me ramène à zéro. Oh, je t'ai cœurée, maudite fille dégueulasse de merde! Jasmine! T'es cœurée! Attends! Jasmine! C'est lui? Oui, oui. Laisse-moi t'aider, OK? Mais t'as mon petit chien. On va regarder ça, ce petit toc-là, OK? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui, oui, on te laisse la table, OK? Viens, on va aller à la salle de radiographie. Hey. C'est par ici. Oh. Oui, Claude? Hey, dans la salle des radios, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Ben oui. Ben, même pas capable de se débrouiller tout seul, je te dis. Ben oui, mais vous devriez me débrouiller tout seul, mais je vois même pas où je vais. Maudit! Oh, attends, Marjolaine, je vais t'aider. Attends. Oh, merci, Paf. J'avais vraiment... Pauvre toi! Mais, mais là, grâce à Claude, je viens de faire une très grande découverte. Ah oui, c'est quoi? J'haïs les blondes. Ah, pas ici pour longtemps. De toute façon, c'est l'attrait de la nouveauté, ça va passer, ils vont se calmer. Là, là, ils essaient de se montrer beaux, fins, intelligents devant la petite nouvelle pour l'impressionner. Ça durera pas ça, là! C'est typiquement masculin. Ah oui? Ben, si ça continue, moi, je vais leur faire une crise typiquement féminine. Ouais. Hey, non, non, mais je lui ai dit, hein, que son plan de peau était complètement irréaliste. Mais tu sais comment aller, elle s'est énervée. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non! Oh non, non, non! Mais c'est quoi l'affaire, là? Renaud! Renaud! Où c'est qu'il est, lui, merde? C'est quoi tout ça? Mais c'était Renaud! Mais c'est quoi, là? Il s'installe pour de bon, quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit ce matin, toi? Non, 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 moi, je lui ai rien dit. Il m'a seulement appris qu'il y avait nulle part où aller parce que ses colocs l'ont mis à la porte. Mais j'ai jamais dit qu'il pouvait s'installer ici, je te le jure. Je l'ai pas invité, quand même. Je suis pas folle. Oh. Ben là, va falloir lui mettre les points sur les i, là. Il est pas question qu'on l'entretienne, hein? J'ai pas les moyens d'être le mécène de Renaud, moi. Puis André commence à trouver ça pas mal achalant que je partage ma chambre avec lui. Ouais, Gordon aussi commence à le trouver envahissant, là. C'est plus jaloux que je pensais. C'est génial. On est pris avec le seul de nos amis qui peut provoquer la jalousie et de ton chum et du mien. Oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Hey, j'ai pas envie, moi, de faire son ménage. On va-tu manger ailleurs? Oui, madame. Il a pas dit ça? Non, je te jure. Il a dit, appelle-moi donc Pascal, ça va être plus simple. J'en suis pas encore revenue. Oh, puis elle même pas belle. Oh, ben là, franchement, elle est pas laide. Oh non, elle est pas belle, bon. C'est dommage que Jean-René soit pas ici. Parce qu'il leur aurait montré aux deux autres vêtements c'est quoi un gars avec une tête ses épaules. Quand je pense. Appelle-moi donc Pascal, ça va être plus simple. Puis Louis est pas mieux, hein? Il arrête pas d'y courir après. Je suis certaine qu'elle n'est même pas blonde naturelle. Moi, je suis sûre que Jean-Claude aurait pas fait un fou de lui de même. Quand je pense. Hé, hey, Pam.
Sais-tu comment on fait pour noyer une blonde? Non. On met un miroir dans le fond d'une piscine. Franchement! Attends. Sais-tu pourquoi les blondes ont les cheveux qui retroussent comme ça? Hein? Non. T'étais pas! Oh, moi aussi, j'en ai une, tu sais. Comment on appelle ça une blonde diabétique? Je sais pas. C'est une tarte au sucre. Puis, comment ça s'est passé en chirurgie? Elle est loin d'être tarte, hein? Elle est très habile. Elle anticipe la prochaine étape. Elle connaît l'anatomie sur le bout de ses doigts. C'est difficile de demander mieux que ça. On va voir comment elle se débrouille en médecine. Oui, j'ai un beau cas de dermato ici. Dermatite humide aiguë. Je vais y faire un petit diagnostic. Claude, j'ai un beau cas pour toi. Viens voir ce chien-là. Puis donne-moi ton diagnostic différentiel. Est-ce qu'il se gratte? Oui. Ça fait longtemps? Des mois. Est-ce qu'il y a d'autres chiens dans la maison? Oui, mais ils n'ont pas de symptômes. Ça ressemble beaucoup à de la dermatite pyotraumatique. Faudrait faire des tests pour déterminer ce qui cause la démangeaison. Est-ce que c'est ça? Vous avez écrit dermatite humide aiguë. Ah, mais c'est l'ancien nom, ça. Ben, c'est la même chose. Le nom a été changé depuis qu'on sait que c'est l'animal lui-même qui s'inflige la lésion. Mais je sais. C'est juste une question d'habitude. L'important, c'est d'avoir le bon diagnostic. Bravo, Claude, tu t'en tires très bien. C'est facile. J'aime ça, la dermato. C'est ma matière préférée. Voulez-vous que j'aille porter le chien? Oui, tiens, ça, c'est sa carte de cage. Eh ben, l'ancien nom. C'est pas drôle d'être vieux, j'ai pas hâte d'avoir votre âge, moi. Oh, non, Martino, t'appelles ça de même, toi aussi. Puis de toute façon, les dermatologues, à chaque fois que ça leur pique à quelque part, ils changent les noms juste pour qu'on se sente dépassé. Ben, moi, si j'étais vous, je m'inscrirais à la prochaine conférence de l'Académie. C'est sur les dermatites. Ah, très drôle. Salut. Je voulais te dire. Non, dis rien. Isabelle, je m'excuse pour tantôt, là. Maman n'a pas été géniale, hein? J'ai réagi comme une égoïste, là. Écoute, c'est super le fun que tu reçoives une offre comme celle-là, puis c'est très mérité. C'est juste que je veux pas que tu t'en ailles. Qu'est-ce que je vais faire, moi, sans toi? La décision n'est pas encore prise. Puis tu connais Gladys, je suis pas tellement sûre d'avoir envie de travailler avec elle. Non, je suis bien ici. N'empêche, t'es une maudite belle offre. Hein? Je suis même pas sûre que j'aurais le cas de la refuser. Coudonc, t'es-tu en train de me dire de partir, toi? Oh, ben non, elle, jamais de la vie. J'essaie d'être objective, puis Dieu sait que l'objectivité, c'est pas mon fort. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu accepter? Je sais pas. Mon premier réflexe, ça serait de refuser, mais comme tu dis, c'est une maudite belle offre. Puis avant que je fasse 60 000 ici. Ah, mais non, ça peut arriver plus vite que tu penses, hein? Avec Montréal Mode, puis l'atelier. L'atelier, Isabelle, c'est vrai, tu n'y as pas pensé? Qu'est-ce qui arrivera avec l'atelier? Elle a dit que je pourrais le garder. Elle a vraiment pensé à tout, la vieille vache. Mm. Mais pourquoi Simon est allé coucher avec elle aussi? Tu penses qu'elle me fait cette offre-là juste pour nuire à Simon? Ben écoute, Isabelle, je veux pas t'insulter, là. T'es super bonne, puis tout, mais c'est presque trop beau pour être vrai. Ah, je sais bien, tu m'insultes pas. C'est d'ailleurs une des raisons qui me fait hésiter. J'ai pas envie de servir d'instrument à Gladys. Ben, c'est quoi les autres raisons? C'est que je t'aime. Que j'aime ça travailler avec toi. Je fais ce que je veux ici, puis si je travaille pour Vaude, ben, va falloir que je me conforme à leur image qui est un petit peu trop conservatrice à mon goût. J'ai peur d'étouffer. Ça veut-tu dire que tu vas rester? Ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse comme il faut. Je veux pas que tu t'en ailles, Isabelle, tu le sais, hein? Mais si tu pars, je vais comprendre, t'sais. Je te parlerai pas pendant 5 ans, mais je vais comprendre. Il n'y a aucun doute, M. Savoie, c'est de la teigne. Ça veut dire qu'il faut que je traite tous mes chats? Oui. Vous en avez combien? 4. 4. Bon, ben, je vais vous préparer les médicaments pour Bingo, puis après ça, je vais vous montrer aussi la recette de la bouillie soufrée avec laquelle vous allez pouvoir baigner tous vos autres chats. Les autres n'auront pas de lésions? J'ai rien vu. Bon. Ils pèsent combien? 4 kilos. 4 kilos, OK. Bon, ben, on vous prépare ça.
Pourquoi tu lui donnes pas de l'imavérole au lieu de lui faire préparer de la bouillie soufrée? C'est bien moins pire à utiliser, puis au moins ça sent pas mauvais. L'imavérole, c'est pas le nouveau fongicide, ça? L'énilconazole. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est pas approuvé chez le chat, ça. Pas encore, mais c'est une question de temps. Mm-hmm. Depuis que le docteur Dejahan l'a étudié à l'école, on l'utilise. Elle a prouvé qu'il n'y a pas de toxicité chez le chat. Ah oui? Mm-hmm. Ah. Tu devrais aller à la prochaine conférence de l'Académie en dermato. Elle va y présenter le résultat de ses travaux. Oui, je suis déjà inscrit. OK. Tu viens d'où? Nord Métal en Abitibi. Nord quoi? Nord Métal. C'est une petite ville encore plus au nord que la Sarre, près de la frontière de l'Ontario. Oh, c'est pas mal loin, ça. Pas mal, oui. Je vais pas chez nous souvent. Tu demeures où pendant ton stage? À Saint-Hyacinthe. J'ai pas les moyens de me louer quelque chose ici. J'espère juste que mon auto va tenir le coup. Elle commence à être vieille pas mal. Moi aussi, j'ai déjà eu une vieille bagnole quand j'étais étudiant, j'étais tout jeune. J'ai même perdu une aile dans le stationnement de la faculté. C'était une vieille belle Buick rouge décapotable. Claude, il faut absolument que tu viennes voir le frottis du Chamelain. Je te dis pas ce que c'est, mais c'est beau. Je pensais qu'elle venait faire une radio de hanche avec moi. Bon, ben, on va tirer ça à pile face, OK? Qu'est-ce que vous choisissez? Non, mais je veux pas tirer à pile face. C'est face. Vous avez perdu. J'ai pas perdu, j'ai même pas tiré à pile face. Mais non, mais comment tu peux dire que j'ai jamais... M'as-tu vu tirer à pile face, toi? Une seconde, j'ai pas tiré à pile. En vrai, vas-y, là, faut lui parler, on n'a pas le choix. Je sais. Bonjour, belle Maryse. Antoine, une autre journée productive où le fruit de votre labeur va enrichir la communauté de moult façons. Non, ça n'a pas été une journée très productive aujourd'hui, Renaud. C'est rien. Une journée de gâchée, une fois de temps en temps, ça arrive à tout le monde. Mais essayez d'imaginer une vie perdue, gaspillée, inutile. L'impression atroce d'être un fardeau, une nullité dont rien ni personne n'a l'usage. Qu'est-ce qui se passe, Renaud, là? Ça va pas? Au contraire, ça va très bien. J'ai atteint un degré de lucidité extrême. Je me vois enfin tel que je suis, c'est-à-dire que je ne vois rien. Je suis un néant, un non-être, un résidu. Et plus de substance, plus de cohésion. Les molécules qui me composent cherchent à se disperser dans l'univers pour se recombiner enfin en quelque chose de valable. Regarde, tiens tes molécules ensemble pendant encore une minute, là, puis explique-nous donc ce qui se passe. J'ai atteint le fond du baril. Le fond, c'est fini, il n'y a plus d'issue. Dans mon désarroi du mois dernier, je m'étais abaissé à présenter des textes partout. À la radio, à la télé, maison d'édition, partout, même chez ceux qui font de la merde. Je suis allé chez Carl aujourd'hui et j'ai pris mon courrier. Des refus, refus. Toujours des refus. Je me suis toujours défini par mon écriture. Mais de quelque côté que je me tourne, le message est le même. Mon écriture est sans valeur. Donc, je suis sans valeur. Mais voyons donc, Renaud. Tu sais bien que c'est pas vrai. Je veux dire, t'as peut-être pas une écriture facile, c'est pas un style qui peut plaire au grand public, mais ça veut pas dire que c'est sans valeur. Tu traverses une mauvaise passe, là, mais ça va s'arranger, hein? Faut pas que tu te déprimes comme ça. Tu peux peut-être profiter de l'occasion pour te réorienter, faire autre chose. C'est difficile de vivre de sa plume, hein, surtout ici. Surtout quand tout ce que t'écris vaut même pas le papier que tu gaspilles. Ne vous inquiétez pas, je sais que ma présence ici vous cause de l'irritation. Je vais remédier à la situation d'ici peu. Si vous pouviez me tolérer encore quelque temps, je vous en serais reconnaissant. J'ai besoin d'une adresse fixe pour... Voyons, Renaud. Renaud, qu'est-ce que... Une demande de bien-être social.
Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on met son stock dans le coin du salon. Je pensais que tu resterais pour la soirée. Mais pourquoi? C'est pas moi qui travaille à soir, c'est Constantin. Oui, mais Claude est là. Peut-être qu'elle va avoir besoin de tes enseignements si précieux. On sait jamais. Je comprends pas la panne. Constantin s'en occupe de façon extrêmement professionnelle. Je suis pas inquiète. Ah oui, j'ai vu ça. Vous étiez extrêmement professionnels tous les deux. J'ai jamais vu professeur si empressé et si attentionné. Vous avez la fibre enseignante très développée. Tu peux, parce que c'est pas tous les clients qui sont prêts à dire. Comment? Pas un client? Je vous le dis, mademoiselle. Votre stage serait beaucoup plus profitable si vous faisiez chez moi. Au moins, vous verriez des cas. Juste des vaccins, oui. Hein? Bon, ben moi, il faut que je parte, salut tout le monde. Claude, je commence les chirurgies vers 8 h demain matin. Ça t'intéresse? T'es la bienvenue. Salut. Bye-bye. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Étienne? Je t'ai fait une photocopie des barèmes d'évaluation du stage. J'avais oublié de te les donner ce matin. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si je suis certain que l'expérience va être agréable pour tout le monde, il faut qu'on vous évalue. C'est normal. Donne ça à Pamela. Ouais, vous auriez pu attendre quelques jours. Avant de lui rappeler qu'il faut qu'on l'évalue. C'est assez stressant comme ça, sans avoir à penser qu'on est évalué pour tout ce qu'on fait. Ouais, je suis habituée. C'est comme ça à la faculté aussi. D'ailleurs, moi aussi, j'ai une évaluation à faire de l'endroit où je fais mon stage. Ah? Tu feras deux évaluations séparées. Je veux pas être mis dans la même clinique que mon éminent confrère. Ça serait pas juste, hein? Ça fait trop monter ta moyenne. Comment ça s'est passé votre première journée, mademoiselle Labelle? Très bien. Ce matin, j'étais en chirurgie avec Louis et cet après-midi en médecine avec Pascal. On a vu de très beaux cas. Tant mieux, avec Pascal, ouais. J'ai juste un problème. Je suis pas certaine d'être capable d'arriver pour 8 heures le matin. Oh. Avec la circulation sur les ponts puis l'état de mon auto, ce matin, elle a tellement chauffé... Vous allez faire le trajet de Saint-Hyacinthe à tous les jours, ça n'a pas d'allure. Je peux pas faire grand-chose d'autre. Je connais personne à Montréal. Vous connaissiez personne? C'est plus le cas maintenant. Venez rester chez moi, j'ai une chambre d'amis dans le sous-sol. Vous seriez très confortable. J'habite à quelques minutes d'ici. C'est très gentil, mais... Non, va venir habiter chez moi. T'es beaucoup plus près. Et puis, si jamais son auto fait des siennes, on va pouvoir faire le voyage ensemble et puis discuter. Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait bien le fun, mais je voudrais pas te déranger, Pascal. Ça dérange pas du tout. Si, t'es sûr, ça m'arrangerait vraiment. Je suis sûr! OK, d'abord, ça va me faciliter la vie pas mal. Oui, c'est Joanne qui va être contente. C'est parfait, d'abord. Quand tu seras en stage chez moi, ben, tu viendras rester chez nous. Hmm? Au revoir. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Tes hot dogs sont excellents, Isabelle. Ah, tu sais que c'est pas de ça que je parle. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ben là, je peux pas décider pour toi. C'est sûr que l'offre est bien tentante puis que Gladys a des arguments qui se tiennent. Tu penses que je devrais accepter? Non, c'est pas ça que j'ai dit, Isabelle. C'est sûr que c'est plus avantageux au niveau du salaire puis de ton avenir aussi. Mais c'était pour être malheureuse, te sentir mal parce que c'est un endroit où t'aimes pas travailler puis t'as l'impression d'avoir trahi tes chums, là? Non. Ah, tu m'aides pas pantoute. Mais oui, je t'aide, Isabelle. Là, je t'ai écouté, puis là, je te fais un exposé clair du problème. D'un côté, c'est le cash. De l'autre, c'est le fun. C'est simple, me semble. Simplice, oui. Isabelle, peu importe ce que tu décides, je vais t'appuyer. Même si c'est pour continuer à avoir des salaires de misère en te faisant croiser par un restant de séducteur qui a une face à claque. En tout cas, c'est clair. Je sais de quel bord ton cœur penche. Non, Isabelle, je déconne, là. Que tu fasses ce que tu veux, je vais être avec toi. Ça va être pour le mieux. Ah! Oh. Comment ça qu'il reste plus de brownies? J'en ai juste amené quelques-uns à boutique. Ah, c'est moi qui les ai passés à... Je veux dire, c'est moi qui les ai apportés à clinique pour les faire goûter à tout le monde. Ah. J'aurais peut-être besoin d'un autre cours privé, hein? Tu penses-tu que M. Pinard, il reviendrait, mais... Non, Isabelle! Tes hot dogs sont exquis. Trop gentil. Puis toi? Tu m'as pas parlé de ton nouveau stagiaire? Il est comment? Ben ordinaire. Demain à 15 h, Maritime 16 h, voyez la suite de 4 et demi.